Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la danse du dragon. La danse du dragon, c'est un exercice de fluidité, de mouvement, d'harmonie avec les éléments, d'harmonie avec soi pour équilibrer le côté yin et le côté yang, le côté féminin, le côté masculin que nous avons tous en nous. Et tout ce que nous faisons dans les exercices de yoga, de qigong, de méditation, c'est d'essayer justement d'harmoniser ces énergies, de trouver l'équilibre entre ces énergies pour ensuite atteindre l'éveil. Donc c'est une danse, on cherche la fluidité, on cherche toujours pas le mouvement parfait, on cherche à se faire du bien, on cherche la transe dans la répétition, dans le mouvement, dans la fluidité du mouvement. Donc on commence avec le dragon en équilibre. On ancre le pied au sol, je n'hésite pas à plier légèrement le genou pour protéger mon genou avec ma cuisse, avec mon mollet. J'ouvre la cage thoracique, je serre les omoplates, je vais chercher le ciel. Je ramène l'énergie à mon centre et je viens me réancrer dans la terre. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté, bien sûr, on essaye d'équilibrer les énergies. Toujours cette jambe bien ancrée, nos trois points d'appui, petit orteil, gros orteil et talon au sol. L'ouverture, les épaules basses, les omoplates serrées et on revient au sol. On enchaîne avec le deuxième mouvement. Donc on va chercher toujours notre dragon, l'ouverture, l'exploration du ciel, le dragon en équilibre. Et je vais chercher le guerrier yin. Le guerrier yin, je vais pousser ma jambe derrière, je vais poser mon pied, pivoter sur les deux pieds, pousser avec la main gauche devant, la main droite derrière, je pousse avec les mains, les doigts vers le sol. Je ramène l'énergie à mon centre, je répète le mouvement pour trouver cette transe. Je pousse de chaque côté. Je ramène l'énergie à mon centre, je retrouve une boule d'énergie et je pousse devant. Je reviens avec cette boule d'énergie, je repousse l'énergie pour agrandir mon cercle autour de moi et je reviens dans mon dragon, l'ouverture et je ramène au centre. Je fais pareil de l'autre côté, j'inspire, j'ouvre, je vais chercher l'énergie. J'expire, je pousse ma jambe derrière, je pousse mon bras droit devant, mon bras gauche devant, je pousse de chaque côté. Je ramène l'énergie à mon centre et je ramène l'énergie pour pousser cette boule tout autour de moi. Je reviens à mon centre et je reviens à pousser de chaque côté. Je reviens à mon centre et je retrouve mon guerrier yin. Jambes engagées, mollets et cuisses engagées, buste levé, les deux bras quasiment sur la même ligne. Et je reviens dans mon dragon. Je ramène l'énergie au centre. Je ramène l'énergie à la terre. Je vais aller chercher à rajouter la rotation. Petit pivotement, donc guerrier yin, pivot. Et je reviens. Je vais continuer avec le pivot à trouver cette énergie, cette rotation dans le pivot. Inspire. Expire. Ramène l'énergie au centre. Main à l'épaule, j'ouvre de l'autre côté et je vais chercher ma rotation. Je continue de l'autre côté, je vais chercher l'autre côté en rotation. Je reviens en face, les deux bras tendus et je refais une dernière fois. J'inspire, je reviens. Je rentre mon pied au sol et je reviens dans mon dragon. Je ramène l'énergie à mon centre. Je fais pareil de l'autre côté. Je retrouve mon dragon. Je vais chercher le guerrier yin. Je ramène l'énergie à mon centre. La main à l'épaule, le bras qui se tend et j'ouvre. Je ramène mon bras pour retrouver la rotation en ramenant l'autre bras à l'épaule et j'ouvre. De l'autre côté, je regarde le plus loin possible derrière moi. Je retrouve la rotation. Dernier cycle. Je reviens en place. Je réancre mon pied au sol et je reviens dans mon dragon. Je ramène l'énergie, je ramène en place. Je relâche les épaules. On va rajouter le souffle du dragon. Inspire. Expire. Ramène l'énergie. La rotation.
Reviens en face. Trois grandes respirations. À l'expire, je vais chercher le plus bas possible. Je lève les bras vers le sol, le ciel. À l'inspire, je remonte. Et le quatrième, le souffle du dragon. J'ouvre. Je baisse les épaules, je baisse les coudes, j'ouvre la cage thoracique. Je vais chercher le ciel. Je rentre mon pied au sol et je reviens dans mon dragon. Je ramène l'énergie. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre. J'expire, guerrier yin. Je ramène l'énergie au centre. Je retrouve ma rotation. Trois grandes respirations. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et le souffle dragon. Je rentre mon pied au sol et je reviens dans mon dragon. J'ouvre. Je ramène l'énergie, je redescends. On continue. Inspire, ouvre. Expire, guerrier yin. Inspire, reviens au centre. Expire, pivote. Inspire. Inspire, je lance les bras au ciel, je ramène les mains à la terre, j'ancre mes mains dans la terre et je viens chercher mon chien tête en bas ici. Je peux faire une petite pause ici, prendre le temps de trois respirations pour récupérer un petit peu. Pour la suite, deux solutions. Soit je vais croiser le pied droit à gauche du pied gauche, je vais baisser les fesses. Pliez les genoux, les fesses vers le sol, poussez dans les pieds et allez chercher l'ouverture ici complète. Pour revenir, je ramène la main à la hanche, je pivote l'épaule, je ramène la main, je reviens, le chien tête en bas, je retrouve ici. Si vous êtes un peu plus aguerri, vous pouvez aller pousser avec la jambe droite derrière, tendre la jambe, ouvrir la hanche, lever la jambe vers le ciel le plus haut possible. Relâchez le pied derrière et ramenez le pied au sol en ouvrant au maximum ici. Pour revenir, c'est pareil. Je ramène la main, je ramène le bras, je reviens dans mon chien tête en bas. Je ramène la jambe à l'avant, je pousse et je reviens dans l'ouverture de mon dragon. Je ramène l'énergie dans mon centre. Je relâche. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Inspire. Ouvre. Pivote, va chercher guerrier yin. Ramène l'énergie au centre. Va chercher la rotation du buste. La respiration, le souffle du dragon. Souffle. Je tends les bras dans l'inspire, je ramène les mains à la terre dans l'expire, je ramène la jambe droite derrière. Donc les deux solutions, je vous remonte les deux solutions. La jambe passe à l'extérieur du pied, je pivote sur mes orteils, mes talons viennent au sol, je baisse les hanches, appuie sur mes pieds une petite table pour pousser et aller chercher l'ouverture ici complète. Je ramène la main, je ramène l'épaule, je pivote sur les hanches et je remets mes pieds en place. Je reviens dans mon chien tête en bas. Et si je veux tenter comme tout à l'heure, je pousse avec la jambe derrière, je tends les orteils, j'ouvre la hanche sans décaler mes épaules, je tends la jambe vers le ciel, je plie le genou, je relâche le pied au sol
Et j'ouvre. Je ramène la main. Je ramène l'épaule. Je ramène les jambes. Je reviens dans mon chien tête en bas. Et je ramène mon pied à l'avant pour retrouver mon dragon. Je ramène l'énergie. Je ramène à la terre. Donc si ça vous suffit, vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Vous avez tout à fait tout travaillé. Vous avez travaillé les deux énergies, donc sans problème. Si vous voulez un petit peu plus loin, on peut continuer avec quelques postures. On y va. Donc ici, je reviens à mon chien tête en bas, j'amène la jambe droite devant, je tends mon pied de gauche de l'autre côté et je viens chercher l'attaque du guerrier. De l'attaque du guerrier, je vais pivoter sur mes deux jambes et aller chercher le pivotement avec les bras pour aller chercher la protection du guerrier. D'ici, je reviens en place, je pivote mon pied et je peux revenir dans mon dragon. Je ramène l'énergie à mon centre. Et je relâche. On fait l'autre côté. Je reviens du coup dans mon chien tête en bas, le pied gauche vient à l'avant, je vais amener mes orteils vers l'extérieur, appuie sur le pied avant, sur le pied arrière, redresse le buste et va chercher l'attaque en regardant ton pied et en brandissant tes mains vers ton pied. La protection, je pousse sur ma jambe, je pivote les deux côtés, je pivote les bras, donc on a les bras ici, les bras viennent juste pivoter pour aller chercher le pied. On revient en place, on repivote le pied pour retrouver notre dragon. Et on ramène l'énergie à notre centre. Et on relâche. Voilà, ça va suffire pour aujourd'hui. Il y a d'autres mouvements. On peut rajouter vraiment beaucoup de mouvements dans cette danse du dragon. C'est ça qui est vraiment chouette. N'hésitez pas à répéter, répéter et répéter les mouvements pour sentir cette fluidité, cette énergie qui circule. Aller chercher limite, comme je disais tout à l'heure, cette transe. On essaie de relâcher complètement le mental, de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vraiment super puissant, c'est très agréable. Donc n'hésitez pas à pratiquer. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. Namasté.